Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. C'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Son Fils Jésus-Christ, Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sur la terre, il est la pluie du
Je veux chanter amour et jugement pour toi, Seigneur, je veux jouer. J'avancerai dans la voie des parfaits, quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la réflexion de mon cœur dans ma raison. Je l'ignore. Il est mis mon secret, son prochain. Celui-là, je le fais taire. L'œil au tas, le cœur enflé, je ne puis le souffler. J'ai les yeux sur les fidèles de la terre, qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. Moi, je demeure en ma maison, ô faiseur de tromperies. Le désert de mon songe ne tient pas devant mes yeux. Au matin, je l'ai fait taire, moi, tous les impies de la terre. Retrancher de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen. Voici Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur, de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Moi, je monterai sur la droite de la raison, moi, je monterai sur le lit de mon séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Éphrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu et séjourne, prosternons-nous devant son achevé. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l'arche de ta force. Se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité non jamais il ne s'écarte. Que je leur ai enseigné. Leurs fils, même à tout jamais, siégeront sur le trône le fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion et a volé ce siège à moi. Je les rassasirai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut,
Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élevez-vous un sanctuaire, chez toi élevez-vous un banquet de nom souverain. Tu seras dans la seront bénis et tous assemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Psaume 137. Roi des grâces au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai prié, tu m'es en sang. Promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voix du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les humbles et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tout fait pour moi. Seigneur éternel, ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Siècles, amen. Rendez grâce au Seigneur.
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Comme un médecin sage qui avertit son malade du bien qu'il récoltera s'il suit ses conseils et du danger qu'il court à les négliger, le Christ nous incite à choisir la douceur de son joug plutôt qu'un dur esclavage, à lui témoigner notre amour par notre mépris des biens périssables. Le mal que vous causent les richesses, dit-il, n'est pas seulement de vous exposer aux attaques des voleurs et de remplir votre esprit de ténèbres épaisses qui aveuglent. Le grand mal qu'elles font, c'est de nous arracher au service du Christ pour nous rendre esclaves d'un maître insensible et inanimé. Elles rompent le lien qui nous attache à Dieu et donc nous enlèvent le bien qui nous est le plus nécessaire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Tremblons, frères, à la pensée que nous forçons le Christ à nous parler de l'argent comme d'une divinité opposée à Dieu. Mais, direz-vous, les patriarches n'ont-ils pas été riches? Abraham et Job avaient de grands biens. Étaient-ils moins vertueux parce qu'ils vivaient dans l'abondance? Je ne vous parle pas ici de ceux qui ont possédé les richesses, mais de ceux qui en ont été possédés. Job était riche. Il se servait de l'argent, mais il ne servait pas l'argent. Il en était le maître et non l'esclave. Il s'en servait pour venir en aide aux pauvres, considérer ses biens comme un dépôt dont il assurait la gestion, se voyait comme le dispensateur et non comme le propriétaire. C'est pourquoi, quand il les a perdus, il ne les a pas regrettés. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis,
ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut. Qui nous arrache à la bresse, Romain de tous nos ennemis. Amour qu'il s'élève avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière dans sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons-nous au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, oh dear,
Père, tu sais ce dont nous avons besoin et tu nous invites à la confiance, car tu es un Père plein d'amour. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons